Nouvelle polémique pour C8 et touche pas à mon poste. La chaîne a été mise en demeure, dans une décision du 16 février dernier rendue publique par le journal officiel ce mercredi 23 février, par l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ARCOM, de se conformer à la réglementation bannissant la publicité clandestine à la télévision. Les émissions Le 6 à 7 et Touche pas à mon poste sont mises en cause et plus particulièrement une émission du 4 mars 2021 au cours de laquelle Booba était l'invité de Cyril Hanouna et de ses chroniqueurs. Le principal invité, présent sur le plateau pendant une durée supérieure à une heure, portait des chaussures et des vêtements dont la marque a été visualisée de manière répétée et mentionnée à deux reprises par l'intéressé, indique l'ARCOM qui précise que le rappeur portait également une casquette dont le logo, identifiable, a fait l'objet d'une exposition appuyée. Le gendarme de la télévision reproche également à Cyril Hanouna d'avoir fait en septembre dernier la promotion de son propre livre, l'exposition avantageuse que le présentateur de l'émission a lui-même accordée à son propre ouvrage est intervenue au cours d'une séquence manifestement non fortuite et d'une durée significative. Touche pas à mon poste, Kelly Vedovelli est également épinglé. S'il est également reproché à Cyril Hanouna d'avoir porté une veste Balmain au cours de l'une de ses émissions, l'ARCOM s'en prend aussi à Kelly Vedovelli. La chroniqueuse, qui a connu quelques problèmes de stylisme ces derniers jours, serait apparue à l'antenne portant un vêtement entièrement recouvert du logo caractéristique de la marque Fendi, qui a ainsi bénéficié de visualisations fréquentes sans précaution particulière pour en atténuer l'exposition, précise le régulateur. Loading widget.